Ferme ta gueule. Je me casse. Je me barre. Je me tire. Me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. C'est comme ça, ben fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché dire qu'on est pris pour cible, mais je me tire juste pour la rime. Oh, mais quel bordel! Je me tire de Maître Gims. Non, non, mais gros, c'est... Les Skylanders de l'élément mort-vivant sont plus forts dans cette zone. Laisse tomber, gros. Ah oui, c'est vrai, c'est maintenant des tirs de mortier. Je me tire, demande pas pourquoi je fais partie sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. Triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. C'est une petite bastion, ça, j'avoue. Smash it. Smash hit. Voilà, j'avais dit. Voilà, mesdames, messieurs. Ah, mais du coup, tous les trucs sont coupés. Nickel. J'ai plus besoin de courir. So COVID and to the beat. Ok, donc ça c'est un coffre en moins. Cours, 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 cours. Ne laisse pas tes brassards revenir. Chez. Moi qui joue au beublé de super, oui. Achète. Oh merde! Achète ma toupie, prends la thune de tes vieux, tabasse des abrutis avec tes toits graisseux. Le clim. Sauf Faust, fond dans les ondes. Nous avons réussi à prendre le contrôle de plusieurs vaisseaux de transport pour emmener les prisonniers loin d'ici. Mais c'était un piège. Les gardes ont super. Et ils bloquent les vaisseaux de transport. Tu dois nous aider. Enfin, tu n'es pas obligé, mais ce serait bien si tu le faisais. Ouais. On va le faire, TKT. Je prends quoi, le Sky Slicer? Allez, go Sky Slicer! Ouais, bah oui, oui, discrétion ici. Sky Slicer. Allez, où ma Stormblade? Je sais pas où elle est. C'est bon, je l'ai! Surchargé. Voilà, comme ça, madame est surchargée. En plus, elle est déjà niveau 20, je pense que ça va aller. Hein. C'est la tempête. Allez, sous. Oh non, oui, putain, c'est celui-là. Oh. Je vais râler, hein. Mais... On ne peut pas échapper à ces rayons grappins. Je vais râler, mais en plus c'est une des pires zones...
volante ici. Ouais, ouais, bah bon appétit. Oui, on a compris. Klaxon semi-enflammé. Je déteste ce jeu. Enfin, pas le jeu, mais le niveau, quoi. Oui, j'arrive. Tais-toi! Attends, c'est incroyable. Je savais pas que j'avais une visée automatique. Let's go. Oui, oui, bien sûr. Là-bas, on les tire, on les fume. Aïe! Bon, je vais charger ça, ça a l'air sympa. Ah! Une plaque fluide. Biturbo a réactif. Obus là. Coque anguleux. Et on l'a mis au bout. Et on l'a snape, ils au bout. Au bout. Je le sens bien. Ouais, je peux modifier mon véhicule en vol, ouais. Allez, on avance. On avance les glandus. Non mais aidez-moi, bordel. Ouais, c'est ça, ouais. Les rayons grappins, ouais. Non mais bordel, Nous ne pouvons pas fuir. Il faut que quelqu'un nous aide. J'ai compris, tu sais, j'arrive. Merci de nous avoir sauvés, Skylander. Je crois qu'il y a un troisième groupe, hein. Non? Cette effrayante statue chose se réveille. La sortie est bloquée. Oui, t'inquiète. Tu dois t'amarrer à cette tour pour désactiver la statue, Skylander. Fais attention. Oui, chef. Plus c'est une statue de monnaie bonne, évidemment que je vais. Je vais pas me gêner, tiens. Voilà! Statue détruite. Coffre récupéré. Et donc ça a pas l'air très commode cette histoire là. Oh, ça fait relais. Bien. On va payer moins cher. D'autres transporteurs approchent. Assure-toi qu'ils puissent passer en sécurité. Non mais c'était pas obligé, hein. Nous ne pouvons pas fuir. Il faut que quelqu'un nous aide. Oui. J'arrive. Vous m'emmerdez, mais j'arrive. Il faut que quelqu'un nous aide. Je vais peut-être pas arriver finalement. Non, parce que. On ne me dit pas ce que je dois faire.
tienne. Oh, vous savez... C'est pas un drame. Non, c'est pas un drame, je dirais que... Ouais. Nous ne pouvons pas fuir. Il faut que quelqu'un nous aide. Le prochain qui dit quoi que ce soit, il va crever, d'accord? J'en ai marre. J'ai été libéré sous caution. Il faut que quelqu'un nous aide. Oui, oui. Ça va, vous avancez là? Ouf, nous sommes libres. Allez, Dobby est libre. Pardon. Réussi, Skylander. Excusez-moi. Nous pouvons retourner sauver Maître Éon. Oui, bah oui. J'ai été libéré sous caution. Très sympa, par contre je crève de chaud là. Donc, Merci j'ai encore une, étoile aquatique à faire. Bon bah rip. Bon. C'est bon, je peux avancer un petit peu. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Bah alors les champis. On a un problème. Salut Zona TV, comment vas-tu? Avançons. Ouais, non, c'est pas. Ah, si, ok, je vois ce qu'il faut faire. Je vais chercher ça. Avançons, ce soir. Ce soir, c'est sauvetage d'Éon. Ce soir, c'est. Par où je dois aller? Oui, oui, oui. Envoie des. Merde, non, 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 non. Vite, 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 du commencement d'heure, il y a peu. Ah! Et alors, que penses-tu de cette licence? Bah. Évidemment, c'est pas par là que je devais aller. Mais à quoi sert que j'aille par là alors? Bon, visiblement, j'ai merdé. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai surtout loupé un coffre ici. Non? Oui, je me suis fait les premiers, j'ai vu celui-là, puis Spyro et Lash sur Giants. Ah nice, ce sont deux excellents jeux. Enfin, j'aime bien, j'adore Giants, Spyro's Adventure. Bah, avec le recul, je me dis que c'est quand même pas le meilleur, on va pas se mentir. Mais voilà, pour poser les bases, il était incroyable. D'ailleurs, le savez-vous, c'est, je crois que c'était il y a quelques jours, c'était les 10 ans de Skylander Giants. Oui, ça ne nous rajeunit pas, oui, oui. Oui, oui, cela ne nous rajeunit pas. Quoi de meilleur pour toi? Trap Team. Le 4. Celui où on capture les méchants. Pour moi, c'est clairement celui-là le meilleur. Mais à quoi me sert ce truc? Attends. À quoi me sert le truc de la bombe que j'ai du coup? Ah oui, 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 mais. Justement, autant je trouve que Giant, il a bien vieilli, autant je trouve que certains menus, certaines interfaces de Spyro's Adventure, bah... J'ai un peu de mal, on va dire. Mais ça change pas la qualité du jeu, par exemple. Ça change vraiment pas la qualité du jeu. On va prendre Shortcut, tiens. Ça va couper. Quick, quick. Mais je comprends totalement. Allez, chut. Non. Bouge. Non, ok, on va peut-être pas lui prendre shortcut. Mon préféré sera le 4. Mais Jane, c'est mon deuxième Skylander préféré. Hein. Je crois que mon top, ce serait...
Bah déjà, voilà. Ça, du coup. Mon top, je dirais, ce serait Trap Team, Giant, Swap Force, Imaginator, Spyro's Adventure, Supercharger. Qui a peur du noir ? Ah oui, oui, franchement, oui, oui. En tout cas, pour les premières figurines, franchement, sur le bon coin ou même sur Vinted ou quoi, t'en as vraiment pas cher du tout. Et je pense que je vais devoir ça. Mieux vaut ne pas être ouais, Nightfall, elle est incroyable. J'ai vu des choses que je voudrais vraiment oublier. Nightfall, elle est continue, incroyable. Skylander. Donc je rappelle évidemment toutes les vidéos, tout ce qui est Skylander est rediffusé sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller check ça de temps en temps. En général, les vidéos de Skylander, c'est un jour sur deux, même si ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un peu ralenti le rythme. Du fait que bah, j'ai pas forcément le temps non plus de mettre tout en ligne. Mais voilà, ça sort quand même assez régulièrement, mais j'essaie de faire comme je peux. Shark Tank. Bon. Est-ce que vous êtes chaud ? Terrafine Vibe, bah vite en fait c'est le. Les véhicules de l'élémentaire sont plus forts. C'est le véhicule de Terrafine en fait, du coup. Hop hop hop. Super. Très bien. Non mais. Je suis une brêle pour éviter tout ce qu'il y a là. Ouais, bonjour. Mais du coup, Fab, pourquoi t'étais pas censé être là cet après-midi, il me semble, non ? Finalement, votre chose a été annulée. Comment cela se fait-ce ? Et comment cela se... Oh, merde. J'ai dit au final, j'ai des chances d'être là. Bah, oui. Mais du coup, vous êtes là. Ah oui, c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais il est qu'à contact. Ah ! Oui. Effectivement, oui. Je comprends, du coup. Je comprends, effectivement, que... Oui, du coup. Cette mission, c'est la der des der. Il est temps de lancer l'opération séquence d'extraction spirituelle. Je suis en train de réfléchir à un nom plus court. Bon, Moneybone a placé des chevaux de frise redoutables tout le long de la route le qui fameux. Mène à la tour. Des trucs très pointus. Crois-moi sur parole. La prison de Traptanium de Maitréon est au sommet bon, de cette mais tour ouais. effrayante. Je n'ai plus rien à faire ici. Je pars en quatrième vitesse, à toi de jouer, Skylander. En vrai, j'aime bien le fait que tu mettes... Ouais, mais quand tu veux la tête, je sens que c'est pas la suite. Alors. C'est longtemps une chose auquel j'ai réfléchi. Pour le fait de si je coupais les vidéos ou pas. Mais le fait est que... Par exemple, notamment pour... Pour le niveau de Dreamcatcher. Donc le niveau d'Observatoire. Si je le faisais pas, j'avais une vidéo d'une heure quart. Donc bon. Voilà, en fait, en général, je me suis dit, le problème étant que... je me dis, je préfère limite couper les niveaux en deux pour que ce soit plus digeste. Parce que sinon, j'avais montré avec des vidéos de 50 minutes, une heure, quoi. Donc, je me suis dit, je sais que ça peut être frustrant, mais... Mais voilà, je me dis que pour le bien et le fait que ce soit plus agréable à regarder, je pense que ce serait mieux de couper en deux, quoi. Enfin, plus digeste, on va dire. Parce que c'est rare, les gens qui vont regarder une heure de vidéo à la suite, quoi. Ouais, je me doute, mais en fait, c'est justement, c'est parce que justement, j'avais fait quelques sondages sur Twitch, pendant, justement, pour
pour voir un peu les formats, et en général on m'avait dit bah couper les en deux sera plus digeste quoi, c'est pour ça que je l'ai fait quoi. Et notamment pour superchargeur je vais pas avoir le choix non plus hein, sinon les niveaux de superchargeur ils vont durer une heure quart et puis pas mentir c'est beaucoup plus facile pour moi d'uploader des vidéos de entre 15 et 30 minutes que des vidéos d'une heure quoi. Et merde, non, je me suis coincé, non, non c'est bon. J'ai cru que je m'étais coincé. Au pire, je fais comme si on des anneaux, je sors les versions longues. Ah oui, la musique. Oh, j'adore cette musique. Je peux être le Gollum, super. 3h40 de vidéo. Bah en vrai ça s'appelle une chaîne VOD ça par contre. Mais actuellement à mon échelle avoir une chaîne de VOD ça sert à rien. Enfin, non, ça sert à rien. Ça sert à nothing. On va pas se mentir. Parce que bon, c'est y a très peu de gens qui vont aller regarder des VOD de 5 heures. Quand t'es pas un gros streamer, je veux dire. Hein. Enfin, c'est rare en tout cas. Donc, bah, j'en ai une, mais je poste plus rien dessus parce que bah, je me suis même rendu compte que je perdais du temps, quoi. Voilà, y a plein de monde qui regarde pas les VOD ni rien. Donc, ou alors ils vont regarder les VOD directement sur Twitch, quoi. Donc, je sais pas, je trouve pas qu'actuellement. Je vais déjà essayer de m'en sortir avec ma chaîne YouTube normale. Puis après, s'il y a besoin de VOD. Et merde. Dis, Fjandor qui n'a absolument rien à voir. Je charge! Ouais, c'est un peu ça. Un peu ça, clairement. Voilà. J'ai débouché le tuyau, nananer. Mais ouais, mais moi, comme j'ai dit hier, les best-of, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps, c'est un truc que je me faisais kiffer, hein. Mais j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, malheureusement, des best-of. Ou alors quand j'en fais un, c'est un de temps en temps et c'est très rare, donc Et malheureusement, non, je ne peux pas déléguer à quelqu'un parce que j'ai pas les moyens de déléguer à quelqu'un.